la passerelle. Et la passerelle bouge. Arrête. Mais on va pas mourir, c'est bon. C'est rigolo. Ouais. Mon père, il aurait trop peur. Papa, je pense à toi. Père, il n'aime pas les moteurs. Il se fait caca dessus. Ah, t'as vu là, il bouge de côté. Ah, on est tout en haut de la tour. Il est où ? Ilawara. Ilawara. C'est une marche qui est au niveau de la fin du haut des arbres. Putain, c'est ouf. Ouais. Et donc là, c'est la plus haute tour. Elle est au-dessus des passerelles. J'avoue que ça fait un peu peur, en fait. Un peu. Et là, quand tu montes, on est en haut. Putain, regarde. Les passerelles sont à 22 mètres et nous 45. Ça bouge, non? Ouais. Ouais, hein. C'est ça. C'est bien ce que j'ai l'impression. Donc nous sommes à North Duras. Nous sommes garés juste là. À l'entrée du village. En fait, North Duras, c'est une ville. On arrive, un kangourou. Là, il y a les habitations. Il y en a un autre ici. Ah bah, il est parti. Hop, là, il y a des maisons. Tu racontes un peu ce matin ce qui s'est passé ? Ben, en fait, on a trouvé une plage sur un guide, en fait, ça s'appelle Pebbly Beach. Et ils disent que y a des kangourous qui vont le matin ou le soir. Bon, on s'attendait pas forcément à en voir parce que c'est peut-être qu'ils en ont vu, mais c'est pas très souvent. Et donc hier soir, on arrive un peu. Bah, il faisait juste nuit, je crois. Il faisait nuit, on arrive à 10h. Mais on n'est pas arrivé à 10h, c'est bon, j'ai pas conduit aussi lentement. Il était 8h quelque chose, 8h30 ah oui. Ou 9h. Pardon. Non, parce qu'on a pris un chemin en fait. On croyait que le chemin il était bien et en fait c'était. 8 km. Vous voyez ça là ? Ben, c'était pas ça. C'est 8 km de terre, de trous. De terre, de trous, mais des trous genre comme ça quoi. Et comme ça. Bref. J'ai roulé à 15 à l'heure. Je pense que Romain court plus vite. Et donc le temps qu'on arrive là-bas, et ben, on s'est garé. En fait, il y a plein d'emplacements de camping. C'est vachement bien aménagé, mais ça fait encore super sauvage. Il n'y avait pas grand monde en fait. Et on a trouvé des Australiens à qui on a parlé. On leur demandait alors est-ce qu'ils sont des kangourous. Ils font oui, oui, tous les soirs, tous les matins. Trop bien. Et donc ils nous ont dit de prendre la lampe torche et d'aller à la plage, et on va à la plage. On était avec eux là. On était avec eux. Et effectivement, il y avait 3, 4 ou 5 kangourous. Bah, il y en avait 3 juste à côté du chemin. Des petits comme ceux-là. Et puis un peu plus loin, il y avait la maman, je pense. Et on a pu les caresser. C'était trop bien, parce qu'il y a une dame qui me fait les caresser, parce qu'elle caressait. Je suis oh, caresser kangourous. Et du coup, bah, j'ai caressé kangourous et j'étais trop contente. Et Romain l'a caressé aussi. Donc on est resté un petit peu. Et... ouais. Puis ce matin, on s'est réveillé vers... Non, et puis le soir, on a vu des opossums partout. Ah oui, il y avait des opossums. En fait, on commence à aller dans la voiture pour mettre le papier journal pour cacher parce qu'on a campé dans la voiture. Et en fait, je vois un truc bizarre. J'ai cru que c'était un chien, mais je sais pas trop ce que c'était. Je fais, regarde, vraiment, il y a un truc bizarre, je vais voir. Et en fait, c'était un opossum. Mais nous, en Europe, on n'en a pas. J'en ai jamais vu, en fait. À part aux zoos, ici. Et donc, je sors et il y avait... D'abord, il y avait un opossum. Alors, je m'approche doucement. Je me dis, il va avoir peur. Il reste là, que dalle, il n'a pas peur du tout. Et en fait, les Australiens ils m'ont vu, tout est venu aussi. Ouais, bah en fait, c'était juste à côté de la tente du couple. Ouais. Et en fait, on était tous les quatre, en train de. On a discuté pendant je sais pas combien de temps, une heure, jusqu'à 10h et quelques, hein, donc une bonne heure. On a discuté longtemps. Et pendant ce temps-là, il y avait des opossums partout autour de moi. Il y en avait 4 ou 5. Il y en avait au moins 5 ou 6. Facile, qui montaient aux arbres, qui se battaient. Mais au début, je les voyais pas, et à un moment, je regarde, il y en avait un, il était là. Et l'autre, il était là. Et il y en avait un derrière, et il y en avait partout. Et il se battait, il criait, il mangeait les graines par terre, il grimpait aux arbres. C'était trop bien.
Donc après, on a discuté avec les Australiens, super sympa. On allait se coucher, et puis ce matin, on s'est réveillé à 6h en fait. C'est un peu pour ça que je n'ai sa gueule, parce qu'il est 7h du matin en fait. Et on s'est dit, on va aller voir les kangourous pour prendre des photos. Et donc, on va à la plage. En fait, j'ai éternué et j'ai fait partir un kangourou qui est juste à côté, je ne l'avais pas vu. Bon, on a pris des photos de l'homme du kangourou, après, on va sur la plage et on n'en a pas vu au début. Et en fait, après, on a vu un papa kangourou sauter. On a vu trois kangourous se balader. Il n'y en avait pas grand chose en fait. Donc bon, on en a vu quand même, on était contents. On rentre à la voiture. Et là, qu'est-ce qu'on voit? Trois kangourous qui étaient à la voiture en fait. Et du coup, on a caressé ce matin les kangourous encore. On a caressé les bébés, la maman kangourou. Les bébés, ils ont un peu plus peur. Et puis on les a regardés. Ils sont battus à un moment. Genre. Voilà. Et puis voilà, et là on est reparti ailleurs pour aller voir d'autres kangourous. On pensait que c'était à la plage et en fait ils sont en plein milieu de la ville. Trop bien. Là il y a un petit gamin, il vient de se lever, tu vois, il est sur son balcon. Et dehors, qu'est-ce qu'il y a? Pas un chat, pas un chien, mais 100 kangourous. Si ça vaut pas le coup d'habiter en Australie, les enfants. Bon après je dis pas, il y a des grosses araignées. Tranquille quoi, sur la route, c'est ça. Voici au Nantian Temple, donc ça c'est la pagode. Le temple est plus bas. Et là, comme vous avez pu le voir, la cloche de la gratitude pour envoyer des bonnes choses, des bonnes pensées et des beaux vœux à parents, aux amis. Non, c'est parents et famille. Il y a parents, les amis. Parents et famille. Alors les amis, on les oublie. Il faut la sonner pour envoyer les bonnes ondes. Alors t'envoies des bonnes ondes à tes parents et à la famille? J'envoie des bonnes ondes à mon papa, à ma maman, à ma mamie, à mon frère, à ma soeur, à Magali, à Carlos, à Célia, à Marjorie, à Naé, Hugo, à ma tante, à mon cousin, à ma cousine. Enfin voilà, j'ai pas trop de famille. À ta grand-mère? J'ai dit ma grand-mère. Ah vas-y. Donc voilà, plein de bonnes choses pour